Je reçois un certain nombre de personnalités politiques à Londres et notamment, je me souviens d'un dîner au mois de novembre avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et son homologue Theresa May qui ont discuté autour de cette table avec un excellent menu de questions qui sont des questions sensibles comme l'immigration et la question de Calais. Pour M. Cazeneuve, on avait fait un bar avec des cocos de Paimpol. On était en fin d'automne, donc on avait des cèpes, on avait des champignons sauvages. On a fait une entrée qui était, à mon avis, très délicate, très fine. Ensuite, par le respect et pour montrer la qualité de la viande britannique, on a servi de la biche qui venait d'Écosse. Et c'est vrai qu'on l'a un petit peu francisé avec un millefeuille de coing et foie gras poêlé. Et je pense qu'une fois de plus, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'ils aient été déçus. C'était un cadre qui était plus convivial qu'une table de négociation. Ils ont pu avoir une conversation franche et amicale et conclure par une déclaration commune qui a été signée ici même. Et je pense que la qualité de la table y est pour quelque chose.